huit personnes qui sont inculpées, dont quatre sous mandat de dépôt et quatre qui ont été laissés en liberté. Ils sont inculpés, mais laissés libres. Et dans ce dossier, à ce jour, il y a 25 témoins qui ont été entendus par le juge d'instruction. Pour le dossier coup d'État, à ce jour, en tout cas au moment où nous arrivions ici, nous avons 23 personnes qui ont été inculpées formellement et nous avons une cinquantaine de personnes qui ont été entendues au titre des témoins ou des parties civiles. Donc ça, c'est le point qu'on peut faire.